Salut, salut, c'est White! Et je suis avec Jack. Salut. Welcome sur EmergenYC. Faut pas se planter quand on le dit, hein, parce que quand on a l'habitude de dire Emergency. Donc c'est Emergen, mais à New York City, quoi. Ouais. Sauf que là, on est dans Brooklyn. Brooklyn, ouais. Brooklyn. Et voici mon camion face à nous, là, le Engine 234 et le Leader 123. C'est celui de Jack. Attends. Alors là, un appel de quoi? Ah oui. Ah, merde. Ouais maman, ça, c'est le patron, je suis occupé là. Ah non, c'est pas le patron. Ouais, je te rappelle. Ouais, c'est bon. C'était ta mère, putain, j'ai cru que c'était l'officier. Donc on a plusieurs casernes sur la map, comme vous pouvez voir, c'est les petites maisons rouges, mais nous on en a choisi une autre. Ah, faut bouger parce que sinon comme on est en tenue, au bout d'une minute, je crois, si on bouge pas, bah ça sonne. Alors là, on est en train de faire un petit cours sur comment placer une échelle. Ensuite, on va retourner à la caserne. Hop. Alors oui, les vues et les graphismes, c'est pas du top, mais franchement, le jeu est sympa quand même. Alors, attends. Hop. Pour la remettre, ça se passe comment? Ça se passe sûreté? Excellent. On reprend la souris. Est-ce que ça va marcher, Jack? Je sais la monter jusqu'en haut, mais est-ce que ça va se coincer? Excellent, ça a marché. Donc je continue à enregistrer jusqu'au retour de la caserne. Mais elle est où notre caserne? C'est celle qui est là-bas plus loin, non? Ouais. Ah bah oui, c'est marqué Engine 234. Ok, tu me follow? Ouais, attends, je range le bordel parce que... Et puis bien sûr, après ça, une fois qu'on sera à la caserne, bah, on attendra la prochaine alerte. Donc c'est pas un jeu facile, hein. Il est en développement depuis 2015. Entre temps, il a bien évolué. Très bien même. Du réaliste, hein. Allez, on éteint les loupiottes et on retourne à la caserne. Train parking. Ah, faut que je démarre. Ouais, je fais un peu de porte là parce que... Ah, c'est toi qui sonne? Non. Merde, faut que je descende. Ah, le jeu est un peu trop réaliste. Merde, le son du moteur va beaucoup trop fort, Jack. Attendez deux secondes. Alors, attendez, je vais me déshabiller. Voilà, je me remets en condition de hors patrouille, on va dire. Et on est parti. On peut enlever la souris. Voilà, c'est sûr qu'on entend moins le moteur, mais par contre, à mon avis, on entend presque plus le jeu. Je réglerai ça correctement après. Oh non, je vais le faire maintenant parce que ça va être très chiant. Donc je m'arrête deux secondes. Je mets pause dans l'enregistrement. Je pense que c'est déjà un peu mieux. Encore un peu sobre à mon goût, mais c'est vrai que quand je suis près du véhicule. En fait, c'est ça, c'est quand je suis très près du véhicule, ça gueule. Ah, bah tiens, justement. Dehors, il y a justement quelqu'un qui fait joujou avec sa sirène. Je vais juste voir une chose avec les lumières là. Alors, normalement, quand on a fini avec la. Là, je dois passer en mode 1084 et je dois faire clear. Voilà. Impeccable. Ça, c'est pour dire que j'ai. La mission est terminée, quoi. Ouais, ouais. Bon, pas de panique pour les lags, hein. C'est la nouvelle map qui est sortie il y a pas longtemps, de Brooklyn. Sinon, il y a New York, donc Manhattan, avec Central Park, etc. Il y a également une map d'entraînement. J'espère qu'on se dirige bien vers notre... Ouais, là, j'ai tellement de touches à gérer que j'ai foiré, les gars, désolé. Bon, bien sûr, on a l'intérieur des véhicules. C'est un salade, hein. Ce que je comprends pas dans ce jeu, c'est que les bagnoles passent au rouge et au vert, quoi. Ouais, c'est normal. Mais grâce à ce klaxon, on arrête les voitures et on les fait s'écarter. Donc je pense que notre caserne est de l'autre côté. Alors qu'on a déjà un appel. C'est possible qu'on ait déjà un appel? Non. Non. Ça sonne juste pour me faire chier, en fait. T'es arrivé, ouais, toi? Ouais. Non. Presque. Franche la route. C'est pas évident de manœuvrer avec un gros camion comme ça. Ouais, toi t'as l'échelle en plus. Le son des camions
Oh, le lag qui m'a fait foirer là, putain. J'ai l'impression que ça lag plus que dans Brooklyn, que dans Manhattan. Pas encore optimisé, hein, mais... Mais t'es parti où, toi? C'est pas là, hein? C'est pas là, je sais. Je me suis trompé. Vous allez voir, les casernes, c'est taille réelle, hein, donc c'est des mini-casernes de rien du tout. Quand on demande aux véhicules de se pousser, ils sont prêts à tout pour se pousser. Ils vont carrément se cracher sur le côté, c'est génial. Et en plus, il arrive à foirer son coup. Bon, on va l'excuser, il avait un gros véhicule dans la poste. Donc la caserne, elle est ici à droite, normalement. Mon dieu. Allez, barre-toi, là, j'ai pas que ça à foutre. Ah, il y a Jack qui arrive. Je vais laisser passer. Vas-y, passe. Non, il y a des piétons, là. On s'en fout, écrase-les. Ouais, non, quand même pas. Sinon, on a une intervention gratuite. Il y a surtout 45 bagnoles devant. Comment tu veux qu'on manœuvre? Bon, allez, éliminons-les. Voilà, il suffit de klaxonner, elles disparaissent. Bon, ça, c'est vrai que le trafic, c'est pas ce qui est le plus réaliste. Hein. Merde. Mais il faut se baser sur les missions et les véhicules. Regardez, ça, c'est réaliste, quand même. Alors, le... Vous voyez le tuyau, là, qui se connecte. Réaliste. On éteint le moteur. Est-ce que j'ai laissé les phares allumés? Ou je rêve? Putain, j'ai laissé les phares allumés, bordel. Bon, Jack a eu un gros plantage, donc... C'est souvent ce qui arrive quand il essaye de monter dans le véhicule. Il monte à l'arrière. À l'arrière, au niveau du canon à eau qui est là-haut. Et puis, il fait bugger mon véhicule et il se bug lui-même. Donc là, il a sa grande échelle à despawn, puisque lui, il a quitté aussi, mais il va revenir. En attendant, on voit un peu le décor d'une caserne. Je vous montre un peu ça. On peut fermer les portes de garage. On voit le numéro. Ah, la Jack. Merde, je reclique la même. Je suis en train de monter un peu la caserne pendant que tu te pointes. Ah ouais. De toute façon, quand on a commencé la vidéo, il faut savoir que Jack n'avait pas de son, donc on n'allait pas rester 3 heures comme ça. Donc c'est une petite présentation hein, de MRG NYC qui est un jeu en accès anticipé. Vous pensez bien que là il n'est pas en état fini, mais il est devenu fun à jouer. Il y a surtout une centaine de missions, c'est ça qui nous plaît bien par rapport à notre ouf où il n'y a malheureusement pas encore beaucoup de missions. Voilà, les casernes, c'est pas non plus celle-ci, elle est jolie, mais il n'y a pas vraiment de pièces quoi. Le développeur continue à meubler ses casernes. Ici on a 5 sur Brooklyn, sur Manhattan on en a 3, bon, une petite salle de muscu. Il y a moyen de regarder des vidéos YouTube sur les écrans télé de certaines casernes. Il y a moyen de s'asseoir, mais c'est un peu buggé. Et puis tout ce qui est écran, ça je vais montrer un peu, est fonctionnel. Donc par exemple, voilà ici il y a une petite salle. Ouais, on voit une cuisine. Bon, ça bug un peu. Il faut que je passe en vue interne en fait, mais la vue interne est bizarre aussi. C'est un peu chelou. Ouais, c'est quand même joli. Hein. Voilà, l'écran il est là, tiens. On peut rajouter normalement, voilà, vous voyez, TV. Play Video on TV, vous ajoutez un lien et vous avez des vidéos YouTube en live de votre caserne. Ensuite, ici, si vous voyez sur le tableau, il y a bien marqué CC White, et puis si Jack rejoint et d'autres joueurs, on voit qui est qui dans le jeu. Ici, on est sur le bureau, par contre, les PC sont pas allumés, c'est bizarre. Ici, sans doute, voilà. Toutes les alertes apparaissent ici avec les adresses et tout. Et également dans les véhicules qui sont totalement fonctionnels. A savoir que normalement il y a une centaine de véhicules sur le jeu. C'est une vidéo présentation découverte, hein, Jack, hein, donc ouais. Je montrerai un petit peu. Ouais, je vais un peu montrer vite fait le matos sur le camion. Cool. Donc je vais garder cette vue là. On peut ouvrir toutes les portes. Vous voyez les écrans là à l'intérieur. Et tout ça c'est fonctionnel sur les alertes. Normalement, si je dis pas de conneries, il y a même moyen de cliquer sur les. Ouais, j'ai démarré le véhicule en cliquant avec la souris U. C'est ça qu'il faut surtout pas faire un demi-tour. En vue FPS. Si je mets un casque. J'ai un casque là? Ah ouais, tiens, on le voit pas. C'est pas grave. Faisons un petit tour du camion. Donc vous avez vu, ici il y a des tuyaux fonctionnels. Là on a les nose, donc c'est les espèces de nez là qu'on accroche au lance-incendie pour faire sortir l'eau. Radio réaliste.
l'outil pour travailler sur les bouches incendie. Ici on a tous les tuyaux. Si on utilise ce menu là, on peut les voir tous. Ouais. Attack line, rally line. Bon, faut s'y connaître un peu, j'avoue que le jeu est compliqué. On peut par exemple prendre ce petit extincteur d'eau. Un gris, c'est uniquement de l'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce menu là? C'est tout ce que le développeur n'explique pas bien sur sa chaîne, donc je vous le fais. Avec ce logo là, vous voyez, vous ouvrez les volets du camion. Et là on a une hache par exemple, vous voyez, vous pouvez prendre la hache. Trousse de soins. Vous voyez aussi en haut, au milieu de l'écran, qui a marqué odeur aucune en anglais, parce qu'on peut détecter les odeurs de gaz. On a encore du matériel ici, un extincteur rouge qui apparaît donc là. Et là encore aussi. Voilà, puis on ferme. Du moins, quand on est assez près, on ferme. Donc voilà, c'est peut-être pas aussi joli que dans notre ouf, mais je trouve que les véhicules sont quand même plutôt bien foutus. Et maintenant, en attendant Jack, on va aller. Je sais que c'est mal, mais on va fumer une petite cigarette devant. Puisqu'il y a effectivement moyen de faire quelques animations. Voilà! On attend Jack et on se retrouve pour une petite intervention ensemble. Je vais annuler celle qui est actuellement en cours. Là, vous voyez le petit téléphone sur la map et puis on en fera une autre. À tout de suite. Ah, la vie est dure à la caserne. Jack n'arrive pas à me rejoindre. Patience, patience. Bon, après des heures et des heures de tentatives, finalement c'est Jack qui rehausse la partie. Et on est pour l'instant à la caserne, vivant. Attends, est-ce qu'il faut que je refasse un truc avec la vue? Et moi avec le son. Ouais, le son va fort aussi chez moi. Je vais mettre pause, le temps de régler ça. Shift machin. Ok, personnellement j'ai diminué le ambiance volume. Donc du coup normalement t'as ton véhicule, moi j'ai le mien. Ouais. Bon, on fera pas spawn la petite Jeep qui était là parce que on a quelques problèmes de plantage aujourd'hui. Mais là on va mettre pause le temps qu'il y ait une alerte, hein. Parce qu'on va pas faire les kékés qui font intervenir une alerte automatiquement. Non. Et ouais. Si c'est une alerte à laquelle on est préposé, bah... Oh putain, je me casse presque la gueule de ma chaise. on ira, hein, ce sera parti quoi. En attendant, bah, comme tous les bons pompiers, on fume une cigarette et un cigario devant la caserne. On attend les alertes. D'où l'expression, fumer comme un pompier. Ah, what is this? Fire, appartement. Avenue, multiple dwell, fire, appartement 8F. On y va? On y va. C'est parti. Non, on doit s'habiller. Hein. Non, on t'habille pas tout de suite parce que ça va sonner dans le camion, je crois. Vous inquiétez pas pour la vue, je vais la changer. Parce que je n'aime pas piloter en vue interne. Ah, tu montes dans le même que moi? We're gonna follow out of the box 1666, 920 Herkimer Street. Okay, we're putting a fire above an 8 Frank named multiple dwelling. La sortie. Follow box 1666, it's 920 Herkimer Street, Buffalo Avenue to Ralph Avenue, putting a fire above an 8 Frank named multiple dwelling. Normal pour la vue. 1803445. Oh, c'est chiant que cette vue tourne en même temps là. Mais casse-toi, bouffon. Oh, la vue elle est casse-couille quand tu sors, hein. Putain. Ok. Je peux zoomer un peu. Ça va, t'y arrives là? Ouais. On met une bonne vue. C'est parti. Prochaine à gauche, à mon avis. Oh, les lags qu'on tourne, c'est une horreur. Veuillez excuser les coups de lag, hein. J'ai l'impression que ça lag plus à Brooklyn que à Manhattan. C'est dans la prochaine rue à droite, je pense. Ouh, on passe en dessous d'un pont. Ouais,
Ouais, ça lag un peu ici, ça va. C'est raisonnable. Est-ce que c'est là quelque part? À mon avis, ça doit être ici. Ouais, j'entends une alarme. On a un casque. La question, c'est d'où vient cette alarme? Alors, on va se préparer. Merci. Hop. Tu prends l'outil pour la... ouvrir la porte? Ouais. Putain, t'as déjà vu des... un embouteillage. Des pompiers new-yorkais qui parlent avec un accent en belge, toi. Ça sonne dans ce bâtiment, Jack. Bon, on va aller voir, hein. On passe en vue interne. Pourquoi tu mets ma souris, là? Dégage. Non, on s'est pas rentré ici. Faire d'emmener. Ça va pas être la mission la plus simple à montrer en vidéo, je crois. Tu me vois au balcon là? Eh oh, coco! Putain, il y a le feu là-haut. Où ça en haut? Tout à fait en haut. Dernier étage. Je mets pause le temps de descendre. Tu le vois le feu? Ok, il y a le feu au 2, 3, 4, 5, 6, 7ème étage. On est pas dans la merde, nom de Dieu! Vas-y, sors les tuyaux, je vais ouvrir la porte. Ouais, mais comment tu veux qu'on atteigne ça? Avec l'échelle? Ok. Putain, ça lag. Je vais devoir passer un peu forcer le passage là. Peut-être laisser passer les voitures. Le bâtiment d'en face, il y a un tuyau rouge, mais pas ici. Ah. Je cherche une borne d'incendie. T'en as vu une toi? Pas directement non. On est pas dans la merde, on fait comment? De toute façon, il va falloir que je bouge, toi tu vas devoir avancer ton camion. Ouais. Ah si, il y en a une en face, ça va, j'ai vu. Je vais me garer ailleurs. Moi je me mets ici. C'est quoi cette vue là? Ah mon casque, mon dieu. Alors. Ah merde, attends. Tu sais aller là, c'est bon? Ouais, là c'est bon. Je vais brancher là. On va aller voir le bazar ici. On va connecter. Hop. On prend cet outil. On met l'eau. Joué Jack. Alors là, on va avoir besoin d'une longue attack line. Je sais pas comment on va faire pour avoir un tuyau qui va assez haut. Je sais pas. Y a moyen de les connecter entre eux, hein, je pense. Ouais, y a moyen. Ok, on va essayer ça. Hein. Ici, j'en ai un.
Voilà. On met l'eau. C'est parti. Tu montes l'échelle ou tu veux que je le fasse? Tu peux le faire si tu veux. Tu peux aller te mettre pour me diriger? Non. Quoi? Merde ton... Putain, ça craint. Il m'a fait quoi ce con? Il est bien là. Ouais, y a des bugs quand on utilise le camion de quelqu'un d'autre. Attends, vire-moi cette merde. Tu me diriges? Ouais. Je vois plus rien. C'est bon là, tu peux monter. Monte, 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 encore. Pas trop près, hein. Encore. Ah merde, attends. Comme ça? Vers la droite. Comme ça? Encore à droite. Ouais, c'est bon. Ok. Bah, le camion, il... ouais, le camion, ça déconne. Il est pas stable, putain. Mais bon, je pense que de là, avec la lance à incendie, tu peux atteindre les flammes. Hein. Je vais essayer de prendre un os. Avec la lance à incendie, laquelle? Avec les rallonges, tu vois. On va essayer, hein, je vais essayer de voir. Je mets mon casque. Mais ça va rebugger quand je vais prendre le... putain... Ça c'est chiant ces bugs de merde. Bon, pour la besoin de la vidéo, on va y aller comme ça. Ouais. Il y a ma lance qui part dans tous les sens. Bon, le jeu, on vous le dit, on a étudié le bazar. Eh, t'as vu, j'ai été bon élève quand même, hein. Ouais, c'est clair. Putain, j'ai le vertige. J'entends le crépitement des flammes, fieu. Mais est-ce que je sais... Ah non, je sais pas tirer de l'échelle, fieu. Allez. Il faut l'échelle avec la nacelle pour ça. Eh merde. Ah, tu l'as dit. Et il y avait pas un système où est-ce que tu pouvais adapter le tuyau à l'échelle? Oh, alors ça... T'es gentil, toi, j'ai déjà étudié ça, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est pas faux. Là, si je monte sur le balcon, je vais cramer, hein. Ouais. En fait, il nous faudrait un autre véhicule, quoi. Putain. C'est beaucoup trop haut pour y aller en... Moi, je propose qu'on laisse tomber cette mission-là, hein. On aura au moins montré... Attends, je vais enlever mon casque parce que je suis en train d'utiliser du truc pour rien. Attends. On met pause, on va ranger le bazar et on va faire une autre intervention. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tout à fait. Et voilà les gars, on a éteint le feu. Non, je déconne, Jack et moi, on a triché comme on l'avait dit. On a zappé cette intervention jusqu'à la prochaine. Pour l'instant, on range le matériel. Moi, j'ai rangé tout ce qu'il faut dans mon camière. Allez, on se revoit après pour la prochaine intervention. J'enregistre, hein. J'aime bien ta sonnerie. C'est toi qui as fait ça au moins? Ouais. Attends, je démarre. On n'a pas d'intervention, hein, Jack. Quoi, on retourne à la caserne ou on lance une intervention? On peut relancer une intervention si tu veux. Ouais, ouais. Attention. What is this? Alarme résidentielle, Malcolm Boulevard, Stevens and Avenue, multiduel, incendie, deuxième étage. Alors c'est génial, mon coin ici à gauche, puis ok, je vois. Ouais, ça c'est pas mal une alarme. Let's go. De la
quelque part, mais je sais pas quelle rue exactement. Ouais, ça doit être un peu plus loin là-bas dans la rue. Allez, dégage du con. Prends ici à gauche. Puis à droite. J'irai ici quelque part, non? Ou là, celle d'à côté, je sais pas. Ah. Non, s'il te plaît. Ça lag? Ah, j'ai planté. Oh le. Putain, y avait un de ces fucking fire, mon vieux. Allez. Mais ouais, putain.